Bonjour et bienvenue, je suis Nathalie, professeure de yoga, et je vous propose une pratique matinale pour se réveiller tout en douceur. À tout de suite! Et on va se mettre tranquillement en posture de l'enfant, les fesses sur les talons, les bras devant. On va respirer trois fois sur place. Inspire, les poumons se remplissent. Et expire, le nombril se rapproche de la colonne. Inspire, les poumons se remplissent. Sentez la colonne qui s'étire, qui se grandit. Expire, le nombril se rapproche de la colonne. Et le poumon se vide totalement. Inspire, les poumons se remplissent. Expire, le nombril se rapproche de la colonne. Les poumons se vident totalement. Inspire, on vient à quatre pattes. On étire la colonne. Expire, on redescend les fesses sur les talons. Inspire dans la poitrine, on revient à quatre pattes. La colonne s'étire et manchonner le menton. La nuque également s'étire à la continuité de la colonne. Et expire, on ramène les fesses sur les talons. Encore une fois. Inspire. La colonne se grandit, la nuque suit la continuité, les omoplates ont l'intention de se toucher. Et expire, le nombril se rapproche de la colonne. On ramène les fesses sur les talons. Inspire, on revient à quatre pattes. On crochète les pieds à l'arrière et on vient en chien tête en bas. Les piétiner sur place. Un pied, puis l'autre. Inspirez, les poumons se remplissent. Et expirez, le nombril se rapproche de la colonne. Et piétiner. Et tirer les jambes à l'arrière. Et sur une inspiration, on revient tranquillement les ventres sur les cuisses et on relâche sur une expiration. Ventre contre cuisse, les mains à côté des pieds, relâchez la tête, relâchez le buste, tout est détendu. Inspire, on tend les jambes vers l'arrière, buste parallèle au sol. Menton manchonné, on étire la nuque, les omoplates ont l'intention de se toucher. Et expire, on relâche, ventre sur cuisse. Et les mains à côté des pieds, relâchez la tête. Inspire, on se redresse. D'abord les bras, le dos, on se grandit. Et expire, on descend les bras. On est à l'avant de nos tapis. Inspire, on lève les bras vers le ciel et on regarde nos pouces. Et expire, on descend le dos droit autant que possible. On plie les jambes quand nécessaire, on met le ventre sur les cuisses, on relâche le dos. Inspire, on met les mains sur les genoux, buste parallèle au sol. Et expire, on redescend. Les mains sur le tapis, ventre sur cuisse. Inspire, on pose le pied gauche loin derrière, posez le genou. Inspire sur place. On se grandit, on étire et expire. On recule le pied droit. On est à quatre pattes. Expire, on plie les bras, on met la poitrine, le menton sur le tapis et on s'allonge au sol. Inspire, petit cobra. Contractez les fesses pubis bien ancrées dans le sol. Et expire, on relâche le corps sur le tapis. Inspire, on pousse dans les bras. On revient à quatre pattes. Et expire, chien tête en bas.
Inspire, on ramène le pied droit, gauche, pardon, devant. Posez le genou droit sur le sol et expire sur place. Inspire, on se redresse. Et expire, crochetez le pied droit à l'arrière et ramenez-le entre les mains. Relâchez le ventre sur cuisse, détendez votre dos. Et inspire, on se redresse d'abord les bras. Le dos se grandit. On regarde le bout des doigts. Et expire, on revient. Inspire, on lève les bras vers le ciel. On regarde le bout des doigts. Expire, on descend. Ventre sur cuisse, main à côté des pieds, relâchez la tête. Inspire, main sur les genoux, buste parallèle au sol. Étirez votre dos, la nuque, le menton et manches. Expire, on revient ventre sur cuisse, les mains à côté des pieds, relâchez. Inspire, on recule le pied droit derrière, posez le genou. Expire, reculez le genou gauche dans la posture de l'enfant. Prenez un petit temps. Si cette pratique vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager auprès de vos proches. Et pourquoi pas vos collègues et sur vos réseaux sociaux. De plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'apportera un grand soutien. Je vous remercie et à très vite. Namasté.